Salut, salut, salut. Votre dimanche se passe bien, j'espère. Vous êtes encore dans le lit. Il est 7 heures. Tu fais quoi dans le lit à 7 heures? Tu fais quoi dans le lit à 7 heures? Hein? Lorient, tu es encore dans le lit, non? Hein, Bayoro? 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 Je vais super bien, j'ai la pêche et la forme. Bonjour la reine Brigitte, je vais bien, je vais bien. Je suis là pour vous dire que ça va aller. Igowaka. Hein, tu vois, je t'ai vu dans le lit, je t'ai vu. Ça va aller. Vous avez suivi, non? Ça va aller. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez traversé, vous avez tellement prié ces derniers temps. Je n'ai fait tout. Et à un moment, vous vous dites, ça va aller. OK? Tout, c'est le mindset. Tout est là-dedans. Les personnes qui t'ont rejeté, ce n'était pas de leur faute. Elles se sont rejetées elles-mêmes. Les personnes, il y a des gens parfois qui te font, qui t'ignorent pour se sentir bien. Il y a des personnes qui ont tellement d'amertume qu'elles ont besoin de te toucher pour pouvoir se sentir bien. Et il y a des personnes que tu dois même aimer en secret. Tu n'as même pas le dit que... Parce que dès que tu as la personne... Non, je ne vais pas te pardonner. Écoutez, pardonne-toi toi-même d'abord. Pardonne-toi toi-même. Libère-toi. Sache que l'autre personne là qui ne t'a pas accepté, elle a un problème avec elle-même. Ce n'est pas avec toi. Parce que les gens avec qui tu parles, tu demandes pardon. Mais la personne fait comme si c'est devenu... Tu demandes pardon, il lit ton message. Il ignore. Il ignore. Il dit, ok. Vois-moi encore. Si tu as ignoré, ce n'est pas parce que toi, tu es mauvaise personne. Si tu as ignoré, ce n'est pas parce que tu as un mauvais truc en toi. Non. C'est la personne qui a un problème avec lui-même. Et il y a les personnes qui ne supportent pas de vous voir bien. Parce que la personne, c'est que si jamais... Si tu te pardonnes, parce que tu es venu, tu dis, ok, supposons, on a un problème, non. Ok? Dumont, bonjour. Donc, j'ai un problème avec Dumont. Dumont m'a énervé. Bon, Dumont me fait du mal. Voilà. Je me fâche. Pendant que je suis fâchée, Dumont se sent mal. Elle se sent mal par rapport à elle-même. Elle dit, j'ai fait mal à la reine. Maintenant, Dumont vient. Voilà, reine, je suis désolée. Ok? Désolée, ma reine. Je suis désolée, je t'ai fait ce mal. Je sais que si je lui dis que je l'ai pardonné, elle va partir, elle sera libérée, elle sera heureuse. Dieu me vient, ouais, ma reine, je suis désolée. Non. Tu n'avais plus une grand-mère qui était comme ça. Le genre de grand-mère qui met tous les problèmes là. Ouais, ma grand-mère, ouais. Parce que je ne veux pas que Dumont soit déchargé de son fardeau. Je ne veux pas que Dumont avance dans sa vie en paix. Je veux que l'amertume que j'ai dans mon cœur, parce que Dumont m'avait fait du mal depuis 5 ans, et j'ai porté ça sur moi depuis 5 ans, chaque fois qu'il pense à Dumont, j'insulte que Dumont la crève. Donc si elle vient demander pardon maintenant, ça veut dire qu'elle est libérée. Écoute, si tu es Dumont, il y a beaucoup de Dumont dans le direct. Comme tu as demandé pardon là, qui de là est, tu te pardonnes jusqu'à que bien. Je suis libérée.
Parfois, tu demandes, tu envoies le message, la personne fait lu et ignorer. La personne lit, il ne te répond pas. Tu viens, tu vois qu'il a lu ton message. Tu vois qu'il est en ligne. Il a mis les statuts. Une heure passe. Deux heures passent. Tu commences à te dire, ah. Écoutez, il y a les locataires qui ne payent pas le loyer dans votre tête. Il y a les locataires qui ne payent pas le loyer dans votre tête. Who do you? Who do you? Who are you? Who are you? Pythagore, je vais changer ton nom. Alors, je vais quitter ce Dumont. Je ne prends plus ton nom. Je vais prendre Lorient. Voilà, tu veux me chercher le problème du mot. Tu veux me chercher le problème du mot. Comment ben? On va parler de Lorient. Donc, je ne veux pas libérer Lorient. Je vois le message de Lorient. Parce qu'il ne faut pas que Lorient avance dans sa vie. Il faut que ce que Lorient m'a fait de mal là, que ça devienne comme un événement. Tout le monde entier doit savoir. Ça va être dans les archives, dans les musées. Oui. On va savoir que Lorient m'a fait mal. Chaque fois, je reste comme ça en pensant. Je ressens encore ça d'un tiroir, je regarde. Ah, Lorient était méchant. De temps en temps, quand j'ai des conversations avec les gens, est-ce que tu sais que Lorient m'a fait ça en 2000? Oui, en 2002. Oui, c'est lui qui m'avait fait ça. Alors que Lorient est venu depuis longtemps, il a demandé que oui. Voilà, je suis désolé. Ok. Maintenant, toi, tu es Lorient, tu quittes, tu as fait envoyer le message ou bien tu essayes de. La personne refuse. Quitte, tu nettoies ta main sur ça. Ma grand-mère disait toujours que. Mon ben quoi, non. Elle disait encore quoi là. Mon ben quoi, non. Attends, elle a une façon de parler le patois là. Elle dit que, en fait, dans sa façon de parler, c'est genre, si elle te parle, tu ne m'écoutes pas. Hein. Je quitte, je fends mon pied, tu quittes. Elle fait genre, je ne te calcule plus. Et elle avait façon de dire ça en patois. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me dites aussi, Mano. Elle avait façon de dire, là, genre, ok, quand je te parle, tu ne comprends pas. Hein. Je t'ignore, je ne te calcule plus, genre. Il fait qu'on suis un peu hésité, même chez mon enfant. Voilà. Certains d'entre vous, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous avancez. Vous allez devoir aujourd'hui décider volontairement enlever le numéro de la personne dans ton téléphone. Parfois c'est ton frère, parfois c'est ta soeur. Comment est-ce que la seule personne qui court derrière vous dans la famille? Chaque jour je suis là en couignant, couignant, je demande pardon. Vous m'ignorez, vous me snobez. Chaque jour en couignant, couignant. Ah, en fait, vous avez de l'insécurité par rapport à moi. Je suis plus belle que vous. J'ai plus de dons que vous. Je suis plus riche que vous. Je suis mieux placé que vous. La seule chose que vous avez pour me tenir, le seul petit truc, sont vos manières à deux balles. Ah, d'accord. Vous allez encore me voir. Vous allez encore me voir. Tu tapes même 5 ans. La personne même écrit encore, comme tu restais souvent, tu faisais que oh, bonne année, joyeux Noël, meilleur vœu. Même meilleur vœu, tu n'en vois plus. Même meilleur vœu, tu n'en vois plus. Je te faisais l'honneur. En plus, pour certaines de ces personnes-là, vous êtes même leur grand frère ou grand soeur. Certains, tu dépasses la personne. Hein. Parfois, tu es même son oncle. Tu es plus grand que lui, hein. Hop. Tu es quel genre de personne qu'on ne peut pas te demander pardon, tu acceptes. Hein? Oh non, ne t'inquiète pas. J'ai demandé pardon. Je me suis pardonné. Si tu me pardonnes, ça c'est ton problème là-bas. En fait, pour moi, c'est comme si tu étais mort. C'est comme si je demandais pardon à un mort. Parce qu'il y a des personnes que quand ils t'ont fait du mal, tu as grandi, la personne est déjà morte. Depuis 5, 6, 7 ans. Pour te libérer, tu fais comment? Tu te pardonnes? Tu fais une prière où tu demandes pardon à la personne, vraiment, pardonne-moi. Ok?
Tu avances. Tu avances. Oui. Moi, je vous parle toujours sur ma page, ici, là, je vous parle toujours des trucs les plus subtils. Et certaines de ces personnes-là, ce sont les gens. Merci Lorient, merci pour les cœurs. Vraiment, j'ai remarqué que tu es le seul qui met les cœurs ici depuis. Alors qu'il y a 96 personnes qui regardent. Yeah. Ne t'en fais pas, Laurent, je te remets les cœurs là, je te rends ça aujourd'hui. Je te rends ça. Parfois, ce sont les gens avec lesquels vous avez grandi. Tu vois, tu avais toujours une cousine là que. Quand vous étiez petit, elle te faisait toujours un chantage bizarre. Tu étais toujours première. Elle était toujours 25e. Et tu étais toujours mal à l'aise vis-à-vis de la cousine là. Il y avait un truc que tu ne pouvais pas expliquer. There was something. Aujourd'hui, vous avez 45 ans. Oui. Vous savez que mes prédications, j'ai les prédications hors du commun. Voilà. Voilà le pasteur Jocelyne qui prêche. Aujourd'hui, vous avez 45 ans. Et la personne a te fait toujours un peu les petits chantages souvent là. Je peux vous dire parce que je sais de quoi elle vous parle. J'ai des cousins ticones, j'ai des cousines ticones, j'ai des tantes ticones, j'ai des soeurs ticones, j'ai des frères ticones, papa ticone. Toutes les qualités des ticones que vous voulez voir. Il y a les saisons où ils sont ticones. Quand tu es ticone dans ma vie, tu te traites comme un ticone. Quand tu changes, tu deviens ton là. Je dis, ok. Oui, papa ton, maman ton, soeur ton, voilà. Si tu es ticone, je te traite comme un ticone. Bonjour Kathleen. Tu es arrivé en Europe peut-être, vous arrivez au même moment. Tu as eu les papiers avant elle. Quand on fait des réunions, elle va tout lancer des petits commentaires. Ouais, tu vois, est-ce que c'est les papiers qui donnent l'argent ou la vie? Ou bien lancer tout, tout dans le forum. Il y a des gens ici là qui croient que comme ils sont en Europe, ils sont arrivés. Vous savez quoi? Les gens ont vos mots, ils ne veulent pas vous dire. Ouais. Et comme toi, tu es seulement simpleton là. Quand la personne lance, c'est comme une flèche, ça te touche, pif. Ça fait un jar. La personne essaie de te faire le chantage qu'il te faisait quand vous aviez 7 et 9 ans. Et la personne oublie qu'aujourd'hui là, elle ne te donne pas son pain ni son bonbon. Le pain chocolat qu'elle te donnait souvent, elle passait se cacher. Non, tu ne demandes plus son pain à la récréation. Aujourd'hui, tu es full grown woman. Tu as grandi. Tu es indépendante. Certains de ces personnes-là, vous devez vous libérer de leur... C'est une emprise sur vous. C'est une emprise. Une emprise maléfique même. Certains de vos cousins, ils avaient une mauvaise bouche. Mauvaise bouche. Ah, mais j'ai traversé les choses dans mon enfance. Moi-même, c'est là. Hey. Mauvaise bouche. Ich. Maman. Je suis allée à un mariage familial là, l'année passée. Moi, ma famille, je sais qu'il y en a ici, ils sont cachés, ils sont déguisés. Bonjour. Bonjour, famille. Bonjour. S'il y en a des ennemis là, bonjour. Maman, ceux qui avaient saboté mon mariage, ils étaient là. Il y a une, on s'est croisé à table. Là, on se servait au buffet. Fallait voir. Ah, les familles ticone. Et j'avais mis. Ouh, j'étais habillée comme une reine le jour là. Ils m'ont mis mon plus et mon mec au centre de la salle. Donc, si j'étais au balcon, tu me voyais. Tu te dis, et m'assois, c'est les mains là. J'arrive au pam, on se tamponne. Viens. Ah, bonjour. Moi, regardez comme ça, tanticone.
d'Anticon. Vous m'avez vu grandir, vous avez changé mes couches. Mais aujourd'hui, là, votre emprise sur moi, là, ils don't finish. Ils don't finish. Et vous savez, souvent dans la famille, il y avait des gens qui avaient leur préféré. Leur préféré. Et comme toi, tu étais la préférée des personnes. Parce qu'on t'avait eu. On t'avait eu avec la femme de dehors. Moi, on m'a eu, mon père m'a eu avant de se marier. OK? Mais, il m'a eu, et dans cette famille-là, c'est pas comme ça. On n'aimait pas particulièrement ma mère, parce que ma mère, c'était une... Quand la bouche de ma mère sortait comme un passé. Quand ça ne va pas, elle vient vous dire vos vérités. Elle arrive chez vous comme ça, là, elle vous tous, même sa belle-mère, elle insulte. Vous tous, là, elle vous mélange, elle vous insulte. Donc... Et quand j'étais petit, j'étais très timide. C'est quand j'ai grandi que ma bouche a commencé à sortir. Ce qui fait que, comme ma mère était, j'étais la famille de mon père, ma mère n'était pas là. Et tu sais que généralement, c'est parfois ta mère qui te protège, qui peut peut-être te défendre. Merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci beaucoup. Ok, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Comme ma mère n'était pas, n'était pas là. Ce qui fait que chacun avait ses préférés. Mais moi, généralement, je n'étais pas la préférée de quelqu'un. Quand on venait là comme ça... Et je m'en sortais toute seule. Moi, j'étudiais moi ma chose. J'étudiais, je passais. Tu n'avais pas besoin de me supplier pour qu'il passe l'école. Il devait étudier, il devait passer. Parce qu'il comprenait, il savait que là où je suis sur un terrain qui est dangereux. Nobody go supporter me. Oui. Le jour même où on a préparé la nourriture, que ce n'est pas la bonne nourriture. Souvent, la grand-mère préparait des couscous bizarres, couscous sauce, quelque chose bizarre, bizarre. Oui. Les autres enfants partaient se cacher, ils achetaient le pain, chocolat, beurre, chocolat, là. Ils mangeaient. Oui. À l'heure là, il sait que personne va me donner l'argent. Donc, je supportais seulement. Et pas, si c'est n'importe quel genre de couscous, n'importe quel haricot. C'est ce que ma grand-mère faisait souvent. Hein. Ok, maman Esther, tu sais que je t'aime, non? Ok, tu sais ça, non? Elle passe vos champs, non? On récolte le haricot. On rentre. On trie. Le haricot que... Tu vois le haricot qui n'est pas vendable, là, non? Parfois, c'était des petits grains comme ça, bizarres, qui sont dégonflés. Parfois, c'était des grains que les charançons là, étaient rentrés dedans. Voilà, elle mettait ça de côté. Après, elle préparait notre nourriture avec. Ah, Seigneur. Donc, imagine, tu rentres de l'école. On a fait le pilier pomme. On te sort le pilier pomme avec... Quand tu manges de temps en temps, tu vois quelques insectes. Tu manges sous ta dent, ça fait une cloche. En fait... Ça, ce sont les choses que j'ai vécues dans l'enfance. Et donc, je vivais avec mes cousins aussi. Donc, quand la grand-mère faisait ça, eux, leur mère préparait à côté, ou elle leur donnait, ou bien elle leur achetait le pain, chocolat. Ce qui fait que j'ai appris à m'adapter à toute situation. J'ai appris à changer de carapace pour pouvoir m'adapter à l'environnement. Parce que tous les deux ans, je partais chez une nouvelle personne, oncle, tante, donc je ne savais jamais ce que je vais trouver chez la personne. Souvent, tu arrives, tu as le genre de ma tête, elle dit que non, sa nourriture, mon frère, tente de vous toucher, ça me tue dans la mamie. Donc, il y avait des faux trucs comme ça. Du coup, j'ai appris à m'adapter. Et j'ai appris aussi à faire profil bas, vraiment. J'arrive quelque part, j'apprends les règles du milieu. Si on dit que maman n'aime pas ça, j'ai fait, et si maman n'aime pas sa gare, j'ai fait, je ne fais pas, je m'adapte, si on dit que voilà le tyran de cette maison, que c'est telle personne, je m'adapte à tes règles. Et ça a amené le fait que parfois, j'allais dans des maisons où j'avais des cousins, cousines, et parfois leurs parents, tu ne peux pas faire comme Jocelyne. J'ai dit que, wow, vous me prenez encore, que je vous ai fait quoi? Après, quand les parents partent, les cousins là, C'est toi. Oh là là. Et ce sont des émotions que quand tu es grand, si tu ne gères pas ça, tu auras très peu confiance en toi. Parce que tu as grandi avec l'impression que tes talents sont... Genre, le fait que tu sois talentueux, c'est mauvais. Parce que ces parents-là enviaient tes talents. Et le fait que leurs enfants n'aient pas ces talents-là, ça les énervait.
Mais il t'utilisait comme bouc émissaire ou bien comme. Je ne sais même pas quoi on peut dire. C'est toi qui payais les frais de ça. Chose que je n'aimais pas. Oui, moi, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Et quand tu grandis, tu vas voir que si tu. Certains de ces cousins-là. Il y a toujours cette sensation bizarre qui reste entre vous. Quand vous vous rencontrez peut-être quelque part. Maintenant, tu dois accepter le fait que aujourd'hui, tu es indépendant. Aujourd'hui, tes finances dépassent pour ces cousins-là. Parce que souvent, si on t'envoie dans ces maisons-là, c'est parce qu'ils avaient plus d'argent que toi, que votre famille. Oui, j'ai vécu dans des palaces, j'ai vécu dans des. J'ai des tantes, des oncles qui avaient beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que leurs enfants avaient plus de potentiel. Ce sont les enfants qu'on les envoie aux États-Unis, on a payé leurs grandes écoles, des choses comme ça. Et. Certains d'entre eux, ceux qui m'observent aujourd'hui, ils admirent ce que je fais. En cachette, bien sûr. Il me dit, oh, Jocelyne, malgré le fait que tu as vécu chez nous, j'admire beaucoup ce que tu fais. Parce que tu sais que quand tu es petit, quand tu viens vivre chez quelqu'un, on connaît que, ah, la maison n'est pas stable, c'est pour ça qu'elle vient chez nous. Là où ils sont là, ils sont pauvres chez eux, c'est pour ça qu'on l'a envoyé chez nous pour vivre l'année scolaire ici. Ce qui fait que tu grandis avec une petite sensation de. Comme si tu n'es pas. Tu n'as pas assez, tu n'es pas valable. Il y a petites choses comme ça. Tes parents divorcent peut-être. On t'envoie quelque part. On t'envoie chez la grand-mère. Quand tes cousins qui viennent en vacances là-bas pendant les vacances, ils te regardent. Ah, tu viens avec la grand-mère. Oh, nous, on vient avec notre père et notre mère. Des faux trucs comme ça là. Ça met des sentiments dans ton cœur. Hein. Et quand tu grandis, il faut que tu enlèves ça. Pour pouvoir percer certains plafonds, pour pouvoir avancer. Vous seriez surpris de savoir les choses qu'il y a dans votre cœur en tant qu'adulte. Les problèmes. You got issues, man. Vous avez des problèmes dans votre cœur. C'est ça qui fait les problèmes de relation. Quand tu rencontres un homme, tu te dis, ah, il ne peut pas m'aimer quand même. Ah, comment est-ce qu'il peut aimer une fille comme moi? Parce que dans ta tête, tu as encore l'image de la petite orpheline. Tu as encore l'image de la petite fille qui a grandi chez la grand-mère. Et son oncle la violait souvent. Parce qu'elle était chez sa grand-mère. Tu étais la seule petite chez la grand-mère. Ton oncle te violait. Il faut petit truc comme ça là. Tu vois là, c'est là. Je ne veux pas vous mentir que c'est dans les parties de votre corps. Quand il parle comme ça, c'est dans les parties de votre corps. J'ai des gens qui me font des messages parfois. Que vraiment, j'ai été violée quand j'étais petite. Et c'est des choses que notre subconscient est tellement puissant que quand tu subis ces abus verbaux, discrimination, sexuelle, abus sexuels, ça reste quelque part dans toi. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un. Je connais, j'ai une cliente. Elle est très riche. Je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est des gens qui font des investissements en milliards de francs CFA. Mais la femme, là, se voit toujours comme une petite fille qui a grandi à Bafoussam. Effectivement, elle a grandi à Bafoussam. Elle a une confiance en elle qui est shaky. Ça balance. Mais regarde-toi, tu t'habilles en Louis Vuitton. Pour toi, c'est rien. Tu peux te lever, tu pars dans n'importe quel pays. Mais en elle, au fond. Il y a les abus qu'elle avait subis, les abus dans le mariage, les frustrations de l'enfance. Oh là là, oh là là. Et comme les noirs n'aiment pas faire les thérapies, vous ne pouvez que m'écouter comme ça. Quand vous écoutez même là, est-ce que quelqu'un, même commenter, vous n'avez pas commenté. Vous allez savoir avaler la salive que. C'est les petits trucs comme ça là qui bloquent. Hein. C'est ça qui bloque certaines personnes. Et sans le savoir, comme ça nous bloque, ça nous frustre. On passe cette frustration à nos enfants. Pendant des années, je n'arrivais pas à donner un câlin à mon enfant. Je vous assure. Parce que, tu vois, quand tu as subi des abus ou des touchements dans l'enfance, des attouchements, pardon, les attouchements dans l'enfance, ça commence toujours par le petit toucher. La personne vient, il te touche. Donc, ton esprit s'habitue au fait que si quelqu'un me touche, ça veut dire qu'après, il va me demander ce que je ne veux pas. Ça veut dire qu'après, il va me forcer à faire ce que je ne veux pas. Maintenant, tu grandis, il ne faut pas le diplôme ou le certificat pour être enceinte. Tu pars, tu fais un petit, tu fais l'amour, l'enfant entre, le ventre grossit, broup, ça sort. Ça ne veut pas dire que tu es forcément un parent équilibré. Je me rappelle pas les premières années de ma vie, les câlins, et ma fille, elle est très câline. Ma fille, le genre que, tu es le genre de bébé, quand elle était bébé, elle aimait venir, elle touche tes seins, elle tète sa langue, elle reste sur sa mère, elle touche mes joues, elle touche mon cou. Et les trucs comme ça, là, je n'aimais pas. Et
Ce sont les choses comme ça qui vont vous faire comprendre qu'il y a encore des... Il y a des choses à l'intérieur de vous avec lesquelles vous n'avez pas encore dealé. Beaucoup. Et la mesure selon laquelle, dans laquelle vous allez guérir, c'est comme ça que vos enfants vont guérir. Ouais. Il est fini. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à parler des trucs aussi personnels pour certains d'entre vous. Mais bon. Je sais que ça va vous permettre de détecter peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation. Peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à laisser un homme vous aimer. Peut-être pourquoi tu n'arrives pas à accepter qu'un homme... Même quand tu... Remarquez, il y en a parmi vous, quand vous faites l'amour peut-être. Tu viens seulement, tu fais l'acte sexuel. Pam! Après là, tu ne veux pas les câlins, les trucs comme ça là. Tu dis, ah ça c'est pour les... Quitte avec ça. Tu quitte avec ça. Parce que quelque part en toi, quelque part dans toi là, des trucs, des fleurs. Les fleurs, c'est pour les blancs. Qu'est-ce que tu as fait ça? Tu n'aimes pas le romantisme? Anniversaire surprise. Anniversaire. Qu'est-ce que tu as fait ça? Tu ne veux pas... Ah, tu vois, 50 personnes se rassembler pour toi, pour moi. Quand tu grandissais, tu étais grandissais peut-être dans une maison où tes parents n'étaient pas là. Tu étais comme une orpheline. On n'avait jamais fait quelque chose pour toi. On n'avait jamais fait quelque chose à ton honneur. Ce qui fait que tu es habitué à être toujours... Ton anniversaire arrive, tu ne dis même pas à quelqu'un... Ah, je vous connais. Vous ne dites pas vos anniversaires aux gens. Parce que tu ne veux pas qu'on te dise vos anniversaires. Tu ne veux pas qu'on te fasse des cadeaux. Tu ne veux pas... Tu ne veux pas... Quand on parle même de ça, on sent dans ton coffre un genre. Tu es frustré. Je vous connais. Écoutez, hein, ce sont les choses qui bloquent votre argent. Je sais que vous allez vous dire, mais... Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que quand tu t'épanouis, tu arrives à avoir des orgasmes sexuels. Rien à voir, n'est-ce pas? Ça a tout à voir. Tu arrives à être épanoui au lit. Et c'est là que tu vas voir que même la taille du sexe de ton partenaire va changer. Excusez-moi, j'ai des conversations bizarres ce matin, mais bon, je crois que c'est les ancêtres qui m'expliquent, donc je vais parler, ça va. Quand tu vas commencer à t'épanouir, ok? Tu vas voir que, peut-être avant tu sortais avec des gars qui ne savaient pas bien faire la molly. Parce que ton énergie les bloquait même. Quand ils venaient à côté de toi, ils voulaient même te toucher, ils te touchent, tu fais, laisse-moi. Et quand tu partais au lit, c'était seulement genre bang 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 bye. Ok, on a fini, non? Tu pars à quelle heure? Maintenant tu as à mesure. Il y en a même parmi vous que quand vous faites l'amour, vous aimez faire dans le noir. Tu veux pas regarder la personne. Oh my God. Je sais qu'il y en a parmi vous. Même si à vos enfants, laissez vos enfants écouter ceci. Je sais que vous allez vous marrer, genre. Ça, c'est tout moi, ça. Comment est-ce qu'on aime des trucs comme ça? Ces frustrations se lisent sur votre visage. Ça se voit sur ta photo. Ça se voit sur toi. Et toi-même, tu ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est tellement caché. Oui. Tu fais d'amour, tu éteins la lumière. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas... Oh Seigneur, vous savez quoi, dans mon travail, je ne sais pas la prochaine chose qu'on va me dire, mais quand il parle, ça me plaît tellement qu'il faut qu'il parle encore. Bonjour, bonjour. Ça fait que tu as peur de t'abandonner dans une relation, tu as peur que quelqu'un t'aime. Peut-être tu as connu le père de tes enfants à 18 ans, il t'a donné 5 enfants, il est parti, il t'a abandonné, il t'a tapé dessus. Et si tu creuses bien, tu vas voir que quand tu étais jeune, on t'avait violé. Inconsciemment, on attire le genre d'homme qu'on attire dans le futur. C'est le genre d'homme, généralement, qui nous a persécutés quand on était petit. On a tendance à répéter ça. Et personnellement, je sais que pour beaucoup de femmes, tu as des femmes, parfois, elles ont fait 25 ans de mariage.
mais elles n'arrivent pas à s'ouvrir à leur mari. Pour elles, c'était comme un devoir de se marier. Une fois qu'elle s'est mariée, les occupations de chaque jour, voilà, on fait ça, on fait ça. Peut-être tu as même mis l'anneau gastrique, tu as maigri. Mais dans ton esprit, tu te vois toujours comme cette femme qui est grosse. Et ça te gêne. Ça te... Et je ne sais pas comment. Écoutez, la guérison, je fais le spirituel, mais il y a des moments où certains me diraient que c'est des thérapies. Parce que ces entités s'accrochent sur vous, ou bien vous tiennent. Donc, ils vous tiennent, vous frustrent à travers certains trains de pensée. Et tant que tu ne peux pas identifier ça, par contre, quand tu te libères, tu vas voir que tu vas avoir ton premier orgasme à 40 ans, parfois 45 ans, ou 50 ans même. 50 ans. C'est là que je te dis, what? Donc, je vivais, je faisais l'amour depuis 25 ans là. Je ne connaissais pas l'affaire là. Oui. C'est là que tu te redécouvres. Tu commences à t'aimer. Et quand tu commences à t'aimer, tu vas voir que tes enfants vont commencer à te montrer de l'amour. Si tu es avec quelqu'un en relation, il va commencer à être plus tendre avec toi. Tu vas voir comme si la romance dans votre relation est venue. Alors qu'il y a cela 2 semaines, tu voulais le quitter, tu voulais le... Subitement, tu vas voir que la romance revient. C'est bizarre. Soudainement, tu es inspiré dans la chambre. Tu fais les positions maniaques à bobé. Voilà les vacances. Tu m'envoies les enfants en vacances parce qu'il faut que vous soyez seul à la maison. Vous savez quoi? Même avec tes clients, ça va changer. Les gens vont te faire des cadeaux. Vraiment, je peux dire que je sais que je guéris parce que je ne veux pas vous mentir. Quotidiennement, le nombre de cadeaux que les gens me donnent. Maman. Mince. Tu vois quelqu'un qui est comme cela? Hier, il y a un de mes fils qui m'a apporté la palette d'eau. Il dit, papa, tu es quitté de chez toi, tu as porté tes pieds, tu as acheté l'eau à la boutique, tu es venu me donner. Mince. Il y a même une qui est venue me donner elle vend la viande, la peau de bœuf. Elle est venue, elle m'a apporté la peau de bœuf avec un sac. J'ai regardé ça. Franchement, c'est... Les jeux des adultes... Oui, j'ai lâché prise. Et vous savez quoi? Moi, vous savez que moi, je suis ouverte et transparente. Vraiment. Quand, je n'ai pas moi peur de... Je sais que parfois, certaines personnes disent, non, tu as accepté que tu avais des faiblesses là-bas. Je suis un travail, je suis en chantier. Et j'aime... Laura, je sais que tu aimes les jeux brutaux. Il y en a qui aiment ça. Ne fais pas qu'on entre dans l'autre. Pardon, fermons la porte là. J'aime sans cesse me réinventer. J'aime sans cesse me redécouvrir. Si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas traversé ça, j'aime sans cesse me re-questionner. Et j'aime parfois ouvrir mes émotions, je mets sur la table, je regarde. Ok, j'étais fâchée avec mon père pendant des années, pourquoi? J'étais fâchée avec le père de ma fille pendant des années, pourquoi? Est-ce qu'il y a une source à ça? Après, je suis en mesure maintenant de restaurer cela. Je suis en mesure peut-être de demander pardon. Ou de me pardonner à moi-même. Et là, tu vois ça. Chaque niveau de ma vie où je me suis restauré émotionnellement, mon argent a augmenté. Supposons peut-être mon chiffre d'affaires, c'est peut-être... Ce mois, peut-être mon chiffre d'affaires, c'est 25 millions. Je restaure un truc émotionnellement. Le mois prochain, je passe à 40 millions. Donc, c'est tangible. Ces émotions-là bloquent votre argent. Moi, je vous dis. Parce que tant que tu n'as pas confiance en toi, peut-être Dieu te dit, deviens coach.
coach les gens émotionnellement pour qu'ils guérissent de leurs problèmes du passé. Tu dis, ah, qui va venir écouter une femme comme moi? Une petite fille qui vient du marché, ah, qui vient de Djelengseng, ah, qui vient de Tamja. Qui va venir m'écouter? Maintenant, tu guéris. Supposons que tu guéris. Tu commences à te dire, mais attends. Mais je peux. Je suis une femme de valeur. Mais les gens viendront volontiers pour prendre un peu de mon énergie, pour m'écouter, pour Allez, je lance mon programme. Je lance mon programme. Venez, venez, venez guérir de vos émotions. Tu vois que parce que tu as guéri, tu étais en mesure de prendre sur toi quelque chose. Tu étais en mesure de partir dans un pays dans lequel tu avais peur de partir depuis. Tu pars, tu te balades, tu visites. Tu peux voir la tour Eiffel, tu rentres. Oui, tu peux voir la statue de la liberté. Tu finis, tu rentres, tu payes ton billet d'avion, tu rentres. Tu partais seulement, oui, je partais seulement visiter. Oui, c'est tout. Tu pars au Népal, tu pars en Thaïlande. Quand tu rentres, ça t'ouvre l'esprit. Ça, you know, it just opens you up. Ah. Super. Allez faire de l'acupuncture. Faire de l'acupuncture ou du massage. Vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Je me rappelle en 2016, quand j'ai commencé à découvrir que c'est l'énergie en fait. Il y avait un chinois là à Birmingham, il me faisait l'acupuncture toutes les semaines. Acupuncture. Quand il fait ça, ça, je rentre, je baille. Je baille, je dors. Tu dors comme ça, là, ça t'enlève les mauvaises énergies. Ça enlève les peurs qu'on t'a mis depuis que tu avais 8 ans, là, que c'est encore quelque part dans un de tes muscles ici, là, ça sort. Parce que vous savez, notre corps a une intelligence émotionnelle. Notre corps garde les choses. La preuve, quand on te rappelle un souvenir, quand on te rappelle le souvenir comme ça, là, ça vient avec des émotions. Tu vraiment te sentais mal le temps là. Tu avais honte. Ton corps commence à faire ça là. Ton corps a gardé le message là. Et ça te bloque aujourd'hui. Il débloque you. Il don't bloque you. Hein? Ouais. Ça fait que tu peux pas te mettre devant un direct comme ça. Un téléphone, tu parles. Là, tu commences à dire, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont... Il y a le commentaire là. C'est la commentaire comme ça, ça avait dit qu'elle a raison. Et vous voyez que c'est beaucoup de peur. Beaucoup. Beaucoup. Le travail énergétique, investissez sur votre travail énergétique, vous allez voir. Donc, il y a une formation. J'avais dit que je vous formais, j'allais former les gens pour qu'ils lancent leur propre business. Cette formation pour coach, elle est ouverte pour ceux qui sont dans leur activité. Ceux qui veulent augmenter leurs revenus. Ceux qui veulent changer ou bien casser la baraque. OK? Yes. Si tu ne connais pas l'acupuncture, c'est très probable que tu ne puisses pas le faire. L'acupuncture, on prend des aiguilles. On prend des petites aiguilles. On met ça sur tes points clés. On met ça dans certaines veines. On met ça sur... Ça dépend du mal. Parfois, il mettait sur mon dos. Après, il me retournait. Il mettait ça sur certains points de mon estomac. Quand il mettait ça sur l'estomac, c'était pour relâcher les gaz qui étaient dans mon système digestif. Vous savez que les gaz, ça frustre, ça me rend mal à l'aise. Il mettait aussi sur les mains, il y avait certains points des mains ici, là où il mettait. Il met ça après, il met la musique très douce et il te laisse dans cette position-là peut-être pendant 30 minutes. Ça libère les points de tension sur le corps. Et ça, c'est pas les trucs des noirs. Écoutez, oh, ouvrez votre esprit à ces choses-là. Partez faire. Vous savez qu'à l'église, même moi, dit, oh, ne partez pas faire des trucs comme ça. Ouvrez votre esprit. OK. Les formations sont disponibles, comme je vous ai dit. Les produits, les kits sont disponibles. Si tu viens, c'est que le spirituel que tu veux. J'ai les produits pour toi. Si tu veux te former, et j'encourage beaucoup ça, tu ne peux pas augmenter tes revenus si tu ne te formes pas. Tu ne peux pas augmenter
tes revenus si tu ne changes pas ta façon de penser. Voilà. Donc, le cours pour les coachs, je crois que ce cours-là, ce sera sur, on va le faire sur 12 semaines, donc 3 mois, c'est 3000 euros. Et je ne parle même pas n'importe qui dans le groupe, vraiment. Je veux les gens qui ont le courage, qui ont la niaque. Je sais qu'il y en a parmi vous là, vous dites, pardon, je vous en prie. Ah, le podium, il met sur les nerfs. Hein. D'accord. Moi, je n'ai jamais su c'est quoi il met ça. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est bon. Quand il fait ça, c'est très bon. Il donne suite. Il donne suite, suite âme. Passez une belle journée parce que moi, ma journée sera électrifiante. Faites l'amour cette journée. Faites l'amour, vous avez compris. Faites l'amour. Faites l'amour. Relaxez-vous. Faites un gommage. C'est le matin, il a descendu pour préparer quelque chose pour monsieur dans la cuisine. Vous montez, donner ça dans le lit. Il va dire, ouh, c'est ma femme qui a fait ça. Tu vas bien? Non, chérie, je t'aime, non? Ok. Bon, vous passez une superbe journée. Je ressens même que je suis d'Africaine. Hein. Je suis de toutes les régions, toutes les religions, toutes les nations. Je ne me mets pas quelque part. Je ne suis pas dans un... Marie-Laure, tu es célibataire parce que tu veux. Juste que tu es une belle femme. Mais tu as rejeté les gens. J'ai parlé du travail émotionnel. Fais ton travail émotionnel, tu te libères. Although you are. Although you are. Et Victor Fally, je suis désolée, je suis occupée. T'as compris? Bonne journée. Et venez me distraire vos commentaires. Bye. 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 Lorette, il dort. Va faire sa nourriture. Tu vas voir qu'il va se réveiller, il va te donner un bon cadeau là. Tu vas voir. Peut-être les 3000 euros que tu demandes depuis, il va te donner ça ce matin. Mm-hmm. Au revoir.